Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons ensemble faire le déballage du Hot 12, le nouveau smartphone de la marque Infinix Mobile qui débarque sur le marché du mobile. Un smartphone de divertissement avec une particularité, celui de stimuler le plaisir du jeu toute la journée. Livré avec le jeu de combat Free Fire, le Hot 12 embarque des spécifications techniques pour une meilleure expérience de divertissement en matière de jeu. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de la vidéo. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons faire le déballage du Hot 12. Dès qu'on ouvre, nous avons l'élément le plus important qui est le téléphone. Vous voyez à quoi ça ressemble le Hot 12 Play. Voilà. Donc vous voyez le dos. Ensuite, ça. Ensuite, on a la carte du consommateur pour la garantie du téléphone qui va jusqu'à 12 mois. On a le billet d'entrée au X Club, l'éjecteur de la puce qui est là. Ensuite, on a une coque de protection en plastique transparent. On a le chargeur Mirai, le câble du chargeur qui est du type C. Ensuite, on a l'écouteur blanc du téléphone. Et c'est tout pour le déballage. Après le déballage, voilà les éléments que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. La puce. Après le déballage du Hot 12, nous allons faire la prise en main rapide. Bien avant, nous allons allumer le téléphone. Nous allons profiter pour tester la sécurité. Nous allons profiter pour tester le capteur d'empreinte digitale du smartphone. Ok. On a le mode classique et le mode grand. Bienvenue au XOS 10 qui est basé sur Android 12. Voilà, le démarrage prend fin. Nous avons ensuite l'écran d'accueil du Hot 12. Après la prise en main, nous allons nous intéresser au design et aux spécifications techniques du téléphone. Le Hot 12 est livré avec un écran LCD de 6,82 pouces de type IPS avec une résolution de 720 x 1612. Une fréquence de 90 Hz. L'écran embarque une caméra frontale de 8 mégapixels avec le haut-parleur juste sur les côtés. Et enfin, la caméra frontale dispose d'une double flash. Et nous avons un écran avec des bords arrondis, et ce qui donne un beau design au téléphone. À l'arrière du Hot 12, nous avons une configuration de 3 caméras. Une caméra principale de 13 mégapixels. Une deuxième caméra en profondeur de 2 mégapixels. Et une caméra avec intelligence artificielle lens, accompagnée de 4 flashs LED. À l'arrière, nous avons un beau design. Juste en bas, avec la marque Infinix qui est inscrite. Sur le côté droit, nous avons le capteur d'empreinte digitale qui est directement embarqué au bouton d'allumage du téléphone. Juste en haut, nous avons le bouton du volume. En haut, nous n'avons pratiquement rien. À gauche du téléphone, nous avons le tiroir de la puce du téléphone qui nous permet d'insérer deux cartes SIM. Deux cartes nano SIM avec une carte mémoire pour étendre les possibilités de mémoire du téléphone. En bas, nous avons la grille du haut-parleur
un port USB de type C cette fois-ci. Ensuite, on a le microphone et le port de l'écouteur. La nouveauté ici, c'est le port USB de type C qui débarque sur la série haute d'Infinix mobile. Côté design, le Infinix Hot 12 dispose d'un beau design, un téléphone avec des bords arrondis, vraiment facile à tenir dans la main. Nous allons ensuite insérer dans la coque de protection pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne enfin. Voilà. C'est un téléphone qui tient bien dans la main. Voilà. Quand vous attrapez, c'est vraiment léger dans la main. Comme spécification technique, le Hot 12 tourne sur le XOS version 10.6 qui est basé sur Android 12. Nous avons la série qui est X6817. Ensuite, nous avons ici Android 12. Ensuite, un processeur Helio G85 qui est beaucoup orienté gaming. L'appareil photo frontal de 8 mégapixels. L'appareil photo principal à l'arrière qui est de 13 mégapixels comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous avons 4 Go de RAM plus 2 Go de RAM selon les besoins du téléphone. Si le téléphone a besoin de plus de RAM au-delà de 4 pendant le jeu, le téléphone a une fonctionnalité qui va étendre jusqu'à plus 2 Go de RAM. On a la mémoire interne qui va jusqu'à 128 Go. Ensuite, voilà l'essentiel des spécifications techniques. Une batterie puissante de 5000 mAh qui permettra de jouer le jeu toute la journée. Nous allons vérifier la version d'Android comme on a l'habitude de le faire. Vous voyez les fonctionnalités de éclairage comme on le connaît, on a l'habitude de le voir. On a la torche qui est là, le mode avion, sonnerie. On a toutes ces fonctionnalités qui vient améliorer l'expérience des utilisateurs. Donc vous le voyez dans le fond, le Hot 12 est orienté vraiment divertissement, mais particulièrement sur le gaming, avec une batterie très puissante de 5000 mAh comme nous l'avons vu ici. Voilà. Nous allons juste vérifier les fonctionnalités de la caméra qui sont ici. Donc vous avez la fonctionnalité vidéo courte, la fonctionnalité vidéo, la fonctionnalité avec intelligence artificielle, la fonctionnalité beauté, la fonctionnalité portrait, la fonctionnalité super mode nuit qui est aussi intéressant. Voilà, donc vous avez toutes ces fonctionnalités qui vont accueillir. On a également la vidéo ralentie, le mode panoramique, le mode prise aérien et même le mode document. Toutes les fonctionnalités annoncées sur le package sont confirmées sur le téléphone. Prix et disponibilité du Hot 12. Il faut dire que le Hot 12 est disponible en Côte d'Ivoire en 3 versions. Nous avons une version 128 plus 4 Go, c'est cette version que j'ai en main qui fait 92 960 francs CFA. Nous avons une version Hot 12 Play édition Free Fire qui est la version 64 plus 4 Go au prix de 85 200. Ensuite, nous avons le Hot 12 Play version. Le Hot 12 Play version 64 Go de mémoire et 4 Go de mémoire qui n'est pas l'édition Free Fire qui fait 83 500. Le Hot 12 se présente comme le smartphone idéal pour le divertissement mais aussi pour le gaming avec son puissant batterie qui va vous permettre de jouer presque toute la journée, mais avec un beau design et des appareils photo qui sont puissants, qui va vous permettre de réaliser aussi des photos de qualité.
Nous allons faire le test et vous faire un retour d'expérience dans quelques jours. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.